She said she want me back. I never paid a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars TV, oui, la chaîne qui traite le béret des Africains, le Japa, oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes les soi-disant bloqueurs, oui, les journalistes des bas quartiers, c'est nous. On assume aller dire, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis rentré du travail, j'ouvre mon téléphone, je tombe sur une vidéo de Kimi Marcos, notre Kimi, notre jolie Kimi, en train de s'enjailler, en train de danser avec Metti sur le son de Kimi, 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 de Axel Meryl. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Depuis ce premier, je n'ai pas vu danser sur ce son-là. Ce n'est que Metti que j'ai vu danser. Non, elle a dansé. Oh ha! Elle a dit. Oui, jusqu'à chanter même tout, tranquillement là. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont fait beaucoup. Elle était heureuse aujourd'hui. Par contre, l'autre jour qu'elle a vu, qu'elle a fait son petit discours, elle était un peu, je l'ai noté un peu triste. Aujourd'hui, je l'ai vue très heureuse. Paraît que, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur là-bas dedans. Je sais que les détracteurs d'Axel Meryl, quand ils vont comprendre qu'elle a dans ce game, ça ne va pas les plaire. Mais on s'en fout de vous, on s'en fout de vous. On s'en fout, oui. Et je vais profiter de cette occasion pour parler, pour éclaircir quelque chose. Oui. Chacun est libre d'apprécier et d'aimer qui il veut, oui. Moi, je suis libre de faire mes choix. Et j'ai mes convictions, moi je suis tu la vérité. Oui, même comme certaines personnes vont vous dire que la vérité c'est autre. Quand une personne a choisi son camp, il reste là-bas, il se dit que c'est la vérité. Il a dit que c'est la vérité, il a décrété que c'est la vérité. Il reste lui là-bas calé. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas obligé de venir m'expliquer même pour les gens. Mais je le fais pourquoi? Parce que je considère que nous sommes d'une famille. On est là depuis. Il y a des gens qui suivent la page depuis sa création. Il y a de cela 4 mois et demi. Oui. Oui. L'histoire d'Axel Meryl date d'Axel Meryl qui me date de il y a de cela 7 mois. J'ai commencé cette histoire sur une autre page avant de venir faire cette page. Donc je suis cette histoire-là depuis le début. Qu'est-ce qui m'a motivé à suivre cette histoire? Qui m'a plu? C'est Kimi. C'est pas Axel, hein? C'est Kimi. Parce que Axel, moi je le connais depuis. Donc il ne devait plus me surprendre. Il me surprenait encore sur quoi? Je connais son talent, je connais tout. Mais quand il s'est associé avec Kimi, ça a donné autre chose là. C'est ça qui m'a fait suivre cette histoire. Donc ceux qui viennent dire, oh, tu détestes Kimi. Vous pensez que vous aimez trop Kimi. Pour vous, votre problème, le problème de cela, c'est que pour aimer Kimi, tu es obligé de détester Axel. Non. Ce n'est pas le cas. S'il vous plaît, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas dans le cœur de Kimi pour savoir ce qu'elle ressent. J'ai étudié ça depuis le début de ce problème-là. Vous ne pouvez pas décider pour Kimi. Vous ne pouvez pas parler pour Kimi. Vous dites qu'elle a 19 ans, donc vous sortez pour parler pour elle. Vous sortez et parlez pour elle. Si on ouvre son cœur, ça ne sert pas exactement ce que vous pensez là. Vous mettez les idées d'hier, vous mettez les paroles dans la bouche de Kimi. Oh, Axel fout le camp. Oh, Axel, c'est cela. Ce n'est pas ce que Kimi est en train de dire à Axel en ce moment. Vous envoyez les messages à Axel que ce n'est pas Kimi. Ça ne vient pas du cœur de Kimi. Vous comprenez un peu? Et certains profitent de ça, faut venir. Certains n'ont pas suivi cette histoire. Ils ont seulement entendu que, oh, on a été clashé une fille de 19 ans, ils viennent dans ça. Oh, les lions. Oh, ils viennent là, ils créent une truc, ils entrent dans les lions. Et comme d'autres ont déjà créé les pages. Hein. Donc, ils ont profité de ça maintenant, créer les pages TikTok. Que, oh, les lions machin. Hein, et ils font les snaps. Oh, ceci. Bientôt, ils vont commencer aussi les lives. C'est comme ça. On profite. Nous, on a commencé l'histoire de Sekim City depuis le début. On avait même déjà des milliers d'abonnés, mais on ne monétisait pas la page. On ne monétisait pas. Oui, on n'a pas monétisé la page. Jusqu'à il y a de cela un mois. La monétisation, ce n'était pas date de un seul mois. Depuis 7 mois qu'on suit cette histoire, c'est un mois. Comme les gens qui disent que
Wow, l'autre était sorti que celui qui cherche argent pour manger là. C'est un mois que la mondialisation ne s'est pas achetée. C'est un seul mois que ça. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? C'est un seul mois. Pourtant, on est là depuis. Donc, pour vous, c'est que pour aimer Arcel, pour aimer Kimi, il faut détester Arcel. Non. Ou d'autres, il y a une autre catégorie de personnes qui se disent que sont aussi les lions, que pour aimer Kimi, il faut aimer Lolo Beauté. Non, c'est deux personnes, je ne peux pas. Vous n'avez pas m'imposé Lolo Beauté. Non, elle n'entre pas. Mm-mm. Ma conso même, ça même encore passable. Même jusque-là. Il a trop de défauts là que ça n'a rien à voir avec Kimi. Je veux étudier que Kimi a trop pris le côté de sa mère. Oui. Kimi a trop pris le côté de sa mère. Oui. Makosa, ses défauts, il fait insulter les gens. Vous imaginez Kimi en train d'insulter les gens. Comme Makosa fait là. On dit qu'on accouche enfant, on n'accouche pas le cœur. C'est vrai. Donc tu peux être une bonne personne, tu accouches un bandit ou un délinquant. Et comme tu peux être aussi une mauvaise personne, tu accouches un ange. C'est ce qui se passe dans cette histoire alors, vraiment. Ah oui. Pour aimer qui me doit aimer Lolo Beauté. Vous voyez, vous imaginez qui est en train de menacer quelqu'un que je vais publier les photos de ta mère, les nudes de ta mère. D'abord même l'idée de filmer d'abord la mère de quelqu'un, de ton gars. Nu pour garder, c'est pour quel. Non, ça sonne comment dans vos têtes là? Ça sonne comment? Comme pour vous, pour aimer Kimi, il faut détester certaines personnes ou bien aimer certaines, mais c'est obligé. Non, ça ne part pas avec moi, ça ne fonctionne pas. Celui qui trouve qu'il ne peut pas fonctionner avec moi comme ça. Les internautes sont libres, non? Quand vous ouvrez, vous entrez là, les soi-disant blogueurs comme moi là, on est des milliers. Les soi-disant blogueurs là, on est des milliers. Vous choisissez, ah, moi j'en dis sur tel, ah, moi j'aime moi tel, moi j'aime, oui. C'est comme nous aussi. Nous, les soi-disant blogueurs, on choisit ce qu'on publie et nos opinions, on choisit. Celui qui va aimer va rester, ceux qui n'aiment pas, ils circulent. C'est comme ça. On a nos propres convictions. Pour aimer Kimi, je ne suis pas obligé d'aimer Lolo Beauté. Ça, c'est faux. C'est faux. Donc, si quelqu'un est en train de dire que j'aime Kimi parce qu'elle n'aime pas sa tante, parce que vous-même, vous m'assurez qu'elle-même, elle aime sa tante. Donc, attention. Vous êtes dans l'ondem. Vous êtes dans l'ondem. Parce que vous m'assurez que cette Kimi-là aime sa tante. Voilà. Comme vous aimez Lolo Beauté, elle vous fait les produits. Elle vend les produits du décapage, on jang sang, vous jang santé, vous mettez oh Lolo Beauté, oh non, elle n'en pas. Oui. Hein, la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Kimi est libre, c'est comme quelqu'un trompe sa femme. Je vous prends un exemple. Sur le cas de un exemple très simplifié pour le cas de Kimi là. Imagine quelqu'un trompe sa femme. Vous venez, oh, vous l'insultez, oh, hein, tu es méchant, oh, ceci, oh, vous vous mettez à le battre, vous le tapez, sa femme qui rentre, hey, c'est quoi, vous voulez tuer mon mari? Je dis que, mais, comment elle défend encore celui-ci, mais, c'est pas lui qui vient de tromper. Et puis quoi? Elle a trompé, et puis quoi? Ou ouais, le soir, ils sont en train de s'enjailler, monter là, bras dessus, pour monter aller manger au poisson braisé, le love est là. Pourtant, donc, les choses des gens, le cœur des sentiments des gens, hein, il y a eu erreur. Arsa a commis une erreur, oui. Et puis quoi? Les choses des couples, vous entrez là, vous faites la bataille comme si c'est devenu même c'est comme si certains étaient même jaloux. C'est comme si certains d'entre vous même voulaient même Arcel. Hein. C'était jaloux ce qu'elle est avec Kimi. Parce que vous emmenez donc, vous êtes tellement content que le couple là s'est séparé que moi je ne comprends pas. Vous vous enjaillez que ça s'est séparé. Vous ne voulez même pas envisager une possibilité de réconciliation. C'est comme si non, vous êtes seulement jaloux. Jalouse que non. Un croustillant comme ça peut être avec Yabiti Kimi là. Non, elle est là. Je me dis, hein. Oui. Vous amenez à comprendre ça. Donc la famille, ce que Kimi décide, elle décide plus rentrer avec celle, c'est elle qui décide. Elle décide même qu'elle rentre là, je suis avec elle. Elle n'est pas avec celle, je suis avec elle. Je m'en fous. Allez, dis. L'autre dit, oh, tu es xénophobe, tu n'aimes pas. Je m'en fous.
J'ai mes propres convictions, ma manière de penser. Oui, je ne veux pas me détourner de cela. Je continue. C'est ça. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez liker, vous likez. Et si vous ne voulez pas, on reste toujours à la famille. Bisous et à sa prontaine.